Par rapport à ton bouquin, du coup, t'as de nouvelles? Non. Non, et en plus, j'ose pas les relancer, donc... Mais bon, j'en attaque un nouveau, là. Allô? Oui, c'est moi. Je sais pas quoi dire. C'est un immense honneur que vous me faites, là. J'y suis arrivé. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un éditeur qui vient de m'appeler, là. Mais non. J'ai rendez-vous demain à Paris avec lui pour signer le livre. Laissez-moi vous présenter Jérémy Duval, notre jeune auteur talentueux qui vient tout juste de signer chez nous. D'ailleurs, tu comptes aller voir ta mère pour lui annoncer la bonne nouvelle ou... Je compte y aller demain. T'appréhendes ou... Oh oui. Ah ouais, j'appréhende. Ouais. Il y a un éditeur qui m'a appelé il y a 2 jours. Je vais être publié, maman. Ça recommence. T'espères quoi? Tu veux finir comme ton père, c'est ça? C'est que c'est tes fans qui te font vivre et vendre des livres. T'inquiète pas, c'est juste que je suis crevé en ce moment. Pas besoin d'en débattre, hein? Je peux partir en week-end, me reposer? Ça va être trop bien. On les a pas vus depuis combien de temps déjà? Bah, entre moi, mes tournées et Chris, ses tournages, ça doit faire au moins facilement 1 an là. Ouais, ils sont là. Ils sont là. Jérémy, ça va? Eh, ici, c'est pas la capitale, hein? Ça va me faire un bien fou ce week-end là. Tu m'étonnes, t'as l'air éclaté. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est rien, c'est 2 masques. Ça le fait, hein. Tiens, essaye celui-là. Chris. Jérémy, sincèrement, je suis content que tu sois là. Moi aussi. T'inquiète pas, on va bien s'amuser. Ouais. On va bien s'amuser.